justifie l'équilibre de la masse M. La Terre attire cette masse M verticalement vers le bas avec cette force de pesanteur grand G. Nous décomposons cette force grand G selon ces deux composantes, cette force F qui est parallèle au plan incliné et cette force N qui est normale au plan incliné, ça signifie qu'elle est perpendiculaire au plan incliné. C'est avec cette force N que la masse M pousse sur le plan incliné. Mais le plan incliné ne se déplace pas et ne se déforme pas non plus. Donc, par la troisième loi de Newton, le plan incliné réagit à cette force d'action par cette force de réaction, grand R, qui est exactement opposée à cette force d'action, grand N. C'est cette force F qui tire la masse le long du plan incliné vers le bas. Or, cette masse est en équilibre, donc il doit y avoir une force F1 qui est exactement opposée à cette force F. Et cette force F1 a comme intensité l'intensité de la force poids de cette masse grand M. Donc finalement, quelles sont les forces qui agissent sur la masse M? Ce sont ces trois forces, grand G, grand R et grand F1. Et la résultante de ces trois forces, c'est le vecteur nul. C'est pour ça que cette masse est au repos, c'est pour ça qu'elle est bien en équilibre.